Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier journal de la journée sur RTI1. Le chef de l'hémicycle du Cambodge est depuis hier en Côte d'Ivoire. Il a rencontré vendredi le président de la République Alassane Ouattara à sa résidence. L'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Cambodge a été évoquée lors des entretiens. Jérôme Kofi à Bolé. C'est pratiquement en fin de matinée que le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge et sa délégation, arrivés tôt ce vendredi, aux environs de 4 heures, ont été reçus par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en sa résidence Sisa Cocody. La délégation cambodgienne, conduite par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori-Soro, entourée de quelques parlementaires ivoiriens. Les échanges, qui ont également enregistré la présence de quelques membres du gouvernement ivoirien, ont été l'occasion pour le président Alassane Ouattara et son hôte de parler des relations entre le Cambodge et la Côte d'Ivoire. Cette visite est la marque du rayonnement de notre pays. Nous avons parlé des domaines de coopération et les deux présidents pourront les approfondir. Vous savez, le Royaume du Cambodge est un pays très respecté et nous avons la grande chance que l'ex-roi, Sa Majesté Sihanouk, était un grand ami du président Félix Houphouët-Boigny. Je suis très heureux de pouvoir effectuer une visite au Côte d'Ivoire et d'avoir entretenu avec Monsieur le Président en vue de resserrer et renforcer les liens de coopération entre nos deux pays. Outre la rencontre avec le président Alassane Ouattara, la délégation cambodgienne aura des entretiens avec d'autres personnalités ivoiriennes avant la fin de son séjour en Côte d'Ivoire, prévu dimanche. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan était en visite hier sur le chantier d'alimentation en eau potable à Bounoua. Les travaux avancent bien, selon le chef du gouvernement. Avec la nouvelle station, plusieurs quartiers d'Abidjan seront desservis avant décembre 2014. Bounoua, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que verra le jour dans quelques mois la station qui va permettre d'approvisionner en entier la ville d'Abidjan en eau potable. Les travaux débutés en août 2012 à l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire avancent bien, selon le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan, en visite sur le chantier ce vendredi. Pour le financement donc de ce dossier, c'est à peu près 5 milliards de francs CFA qui sont donc prévus pour ce chantier. Que ça permettait donc de couvrir certainement les besoins de Port-Boué, de Marcoury, de Trècheville et Commancy, bien sûr. Plus de 400 personnes travaillent sur le chantier. La première phase des travaux est réalisée à 40%. De tous ces chantiers, le chantier le plus important, celui qui va apporter le plus d'eau, c'est le chantier que l'on vient de visiter avec le Premier ministre, qui permet à partir de Bonnoy, la nappe de Bonnoy, de produire 80 000 mètres cubes d'eau chaque jour pour les habitants de la ville. Les quelques difficultés qu'il y avait sont levées et le projet devrait se dérouler selon son cours normal pour s'achever en décembre 2014, conformément donc au délai fixé par le chef de l'État. Dans 9 mois, 2 millions de personnes n'auront plus de soucis à se faire pour avoir accès à l'eau potable à Abidjan. On célèbre ce samedi 8 mars la Journée internationale de la femme. En Côte d'Ivoire, cette journée sera marquée par des festivités à Grand Bassam. Le thème retenu cette année dans le pays est les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. On écoute le message du gouvernement dans le cadre de cette journée, propos recueillis par Serge Collier. Au centre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le bilan des acquis. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en ce qui concerne la condition de la femme, des progrès ont été enregistrés dans les domaines de l'éducation et de la santé. Pour Anne-Désirée Ouletto, des efforts sont déployés pour permettre aux femmes, surtout celles vivant dans les zones rurales, de se prendre en charge. La commémoration de la GIF 2014 constitue une belle occasion pour ouvrir les sillons de réflexion et développer des stratégies permettant d'accroître un plus haut niveau d'engagement et d'implication des femmes
dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et conséquemment dans l'émergence de la Côte d'Ivoire telle que projetée par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. C'est dans ce cadre que le Conseil national de la femme a été institutionnalisé et sera bientôt installé par le président de la République afin de donner un coup d'accélérateur à notre politique d'égalité des chances, d'équité entre l'homme et la femme. L'augmentation du montant alloué au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, créé par Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, afin d'aider les femmes les plus démunies. Le Massa 2014 prend fin aujourd'hui. Il est prévu un concert avec plusieurs artistes, dont Ramsès de Kimon. Nos reporters ont rencontré l'artiste de reggae en pleine répétition. Ramsès de Kimon, le pharaon ébrié, retrouve la scène ivoirienne. L'ex-lead vocal du mythique groupe OUIA, l'orchestre de l'université d'Abidjan des années 80, reprend le micro à la faveur du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Le reggae-man est à l'affiche du concert de clôture du 8e Massa en compagnie d'autres vedettes ivoiriennes, notamment Arafat Diké et Alpha Blondie. C'est une bonne occasion pour moi de renouer avec le public. Et puis de leur dire seulement que Ramsès de Kimon est là. Les mélodies sont éternelles. Donc le pharaon vous offre DJ Nandjou, Uprising, Vérité, System, Oppression. 24 heures avant de monter sur scène, Ramsès et son équipe ont bouclé tous les derniers réglages. Soliste, batteur et pianiste ont accordé leurs instruments pour que la mélodie soit parfaite. Vérité et les autres titres phares de l'artiste seront joués pour le bonheur de tous les spectateurs qui seront ce samedi 8 mars à partir de 16h au Palais de la Culture de Trècheville. Ramsès de Kimon promet tout simplement du son et des messages forts à la jeunesse ivoirienne. La SODEFOR, la Société de développement des forêts et la Société de transformation des bois de l'Ouest reconnaissent ne pas avoir atteint leurs objectifs dans la gestion du patrimoine forestier de l'État. Elles ont initié à cet effet un atelier en vue d'établir une nouvelle stratégie. Justine Sejiki. Pour une meilleure gestion du patrimoine forestier de l'État, la Société de développement des forêts, SODEFOR, chargée de la gestion de l'ensemble des forêts classées de Côte d'Ivoire, a signé en 2007 avec la Société de transformation des bois de l'Ouest une convention de partenariat. Celle-ci porte sur la gestion de la forêt classée de Kani Bandaman Rouge, située à cheval sur les régions du Rorodougou et du Béré, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les objectifs assignés aux partenaires privés sur une période probatoire de 5 ans, de 2007 à 2012, étaient entre autres la production durable du bois d'œuvre et d'ébénisterie, le reboisement ou la création de plantations forestières, la promotion du système agroforestier, l'exploitation durable de la biodiversité pour le développement de la médecine et de l'alimentation, la protection et la surveillance contre les défrichements et le braconnage. 5 ans après, les deux partenaires n'ont pu atteindre leurs objectifs du fait de la crise sociopolitique qui a duré 10 ans. Résultat, cette forêt de plus de 106 000 hectares est infiltrée de nombreux clandestins. Pour éviter pareil échec à l'avenir, les deux entités ont décidé d'impliquer davantage les autorités administratives, coutumières et politiques dans la mise en œuvre de futures conventions de partenariat relative à la bonne gestion des massifs forestiers de l'État. Le 15e championnat du monde d'athlétisme en salle a démarré en Pologne. L'Ivoirienne Muriel Aoré prend part à la compétition. L'athlète entame aujourd'hui la série des 60 mètres. Sébastien Wogne.
26 épreuves, 13 masculines et 13 féminines, figurent au programme de la compétition. 587 athlètes participants, parmi eux, notre compatriote Muriel Aouré. L'histoire de Muriel a commencé justement au championnat du monde d'athlétisme en salle le 11 mars 2012 à Istanbul, en Turquie. Ce jour-là, sur les 60 mètres, elle a obtenu la médaille d'argent. Son temps, 7 secondes 4 dixièmes. Médaille de bronze à Tatiana Madison, 7 secondes 9 dixièmes. Et médaille d'or à Veronica Campbell Brown, 7 secondes 1 dixième. Une médaille qui ouvre le début d'une bonne carrière. Muriel Aouré ne gagne pas de médaille aux Jeux Olympiques de Londres 2012, mais se frotte aux meilleures sprinteuses du monde. Une expérience qui donne un résultat positif aux Mondiaux d'athlétisme en 2013 en Russie. Elle remporte la médaille d'argent aux 100 mètres et 200 mètres. Ce samedi 8 mars 2014, les Ivoiriens veulent revoir Muriel Aouré, l'athlète qui fait plaisir à toute la Côte d'Ivoire sur les 60 mètres. Rendez-vous à l'Ergo Arena d'une capacité de 11 000 places. À l'étranger, au Bénin, après un arrêt, le travail a repris partiellement dans la fonction publique. Au palais de justice, la machine judiciaire fonctionne de nouveau après près de 3 mois de paralysie. Au greffe du tribunal du commerce, le personnel est à pied d'œuvre. Tous les greffiers étaient à leur poste de travail. Ils ont préparé les dossiers qui devaient normalement passer. Et ils ont préparé aussi les convocations pour les audiences. Comme l'administration judiciaire, les hôpitaux béninois sont opérationnels depuis jeudi. Au Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga de Cotonou, aides-soignants, infirmiers et médecins administrent des soins aux malades. Mais ils maintiennent une forte pression sur le gouvernement. Nous avons repris, eh bien, et nous avons donné un moratoire au gouvernement. D'ici un mois, on va voir s'ils vont réagir effectivement selon leurs promesses. Les personnels des hôpitaux et de la justice donnent jusqu'au 4 avril au président Boni Yayi pour mettre en pratique son engagement pris fin février. J'ai décidé, dans un souci d'apaisement, de faire procéder à la restitution des défalcations opérées en 2014. L'éducation nationale est le troisième secteur de la fonction publique durement touché par la grève déclenchée en décembre dernier. Ici, le mouvement se poursuit. Les enseignants toujours en colère ne semblent pas avoir été séduits par la promesse du chef de l'État de rembourser aux grévistes les sommes prélevées sur leur salaire de janvier et février. Ils ont d'autres revendications. Si la revendication sur les libertés, si cette revendication n'est pas prise en compte, la grève se poursuit. Et il reste les autres points, les concours frauduleux. Les syndicats de l'éducation nationale demeurent déterminés. Leurs délégués devraient rencontrer le gouvernement ce vendredi pour un nouveau round des négociations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes.